Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur EK Survie pour présenter les landes de quelques joueurs. Alors que la vidéo va commencer, n'hésite pas du coup à t'abonner, à commenter et à liker. Il y a un concours dans cette vidéo, donc si tu veux gagner 10 spawners très facilement, il suffit de commenter ton pseudo dans les commentaires Minecraft avec une petite phrase d'accroche, genre EnergyKef, je te quitte, t'es trop beau, tu vas être mon père. Non, tu fais ce que tu veux en vrai, mais dans la limite du raisonnable. Alors du coup, pour voir les landes, je vais faire slash land, hop, je vais me rendre directement dans le top IS et on va visiter le top 5, bah de 1, 2, 3, 4, 5, on va aller voir tout de suite chez Amazing Neroz. Alors je ne sais pas trop à quoi m'attendre, j'espère que ça va être stylé, j'espère que c'est beau, j'espère qu'il y a de la survie, j'espère qu'il y a du farm, j'espère qu'il y a des décos, des builds, bref, on va découvrir tout ça ensemble. Alors déjà on arrive ici, c'est le lieu du spawn tout simplement. Donc là je vois qu'on est sur une petite île, on est tranquillou pépère. What the fuck. Oh, il y a des gens trop vénères dans son truc. Alors qu'est-ce que c'est ici? Alors je rappelle que c'est un serveur survie hein, pour ceux qui n'ont pas compris le titre du serveur EK Survie. Donc tout ce que vous allez voir sur votre écran a été fait en survie. D'accord, donc voilà, il faut pas non plus s'attendre à des trucs de ouf. Alors donc là il y a une petite maison. Alors je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Pour l'instant il n'y a pas grand chose d'extraordinaire, j'ai envie de te dire. Mais on est tranquille. On est en survie, on est dans une petite jungle bambou on dirait. Ok, donc là il y a de la canne à sucre en farm. Je sais pas ce qu'il y a là-haut parce qu'en vrai ça a l'air d'être assez grand. On dirait que c'est une farm à bambou. C'est une farm à bambou les frères, putain, regardez la taille de la farm à bambou. Mais gros, tu mets un panda à l'intérieur, il est heureux. Il est heureux, tu mets un panda, il est heureux, c'est sûr et certain. Donc en fait c'est vraiment une lande en fait pour farm, en fait pour gagner de l'argent. Voilà. Il n'y a pas de gros build et tout. Je vois que ça farme la canne à sucre, ça farme le bambou. Ok, d'accord. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, on va aller voir la quatrième IS. 1, 2, 3, 4. Chez Badix. Déjà, on est dans une grotte. J'adore déjà ce style ambiance tranquille, pépère dans une grotte. Ça, c'est vraiment stylé, je trouve, sur Minecraft. Et j'entends des mobs tomber, mourir. Je ne sais pas trop de quoi. Donc ici, il y a une petite farm à zombies. Ok. Il a trouvé un petit spawner qu'il a voulu cacher dans sa petite grotte. Donc là on peut voir qu'il y a un petit lac. C'est vraiment très beau chez toi Badix en tout cas. Je ne sais pas si tu vas regarder la vidéo mais c'est vraiment très joli. J'aime bien. Ici nous avons de la redstone, du minerai, cuit, stuff prêt. Ici petite table d'enchantement pour enchanter le stuff pour aller attaquer l'Under Dragon. Donc c'est vraiment très propre. On est dans une petite lande. Voilà, il y a ce petit coin canne à sucre, décoration caverne. C'est très propre en tout cas. Dites-moi un petit peu votre avis dans les commentaires. Ça, c'est land numéro 4. Donc, elle est vraiment pas mal. J'aime bien. Moi, je mettrais une petite note de 7 sur 10. Il y a de la déco. On est dans une belle survie. Je sais pas trop où est-ce que ça mène ici. En fait, regardez, c'est caché, en fait, non? C'est vachement beau, cette grotte, en vrai. Je ne sais pas si... C'est un très bel endroit, en tout cas. C'est un très bel endroit. Ça, je pense pas que c'est lui qui abuse. Hein. Je pense que c'est Minecraft normal, je pense, en vrai. Faut pas abuser non plus. Hein. Allez, on va aller voir direction la numéro 3. Allez, White Village. Alors, ok. Ok, il y a des bâtiments, un petit beacon, une petite maison très sympatoche. Donc là, c'est écrit quoi? Maison de Miguel. On va aller voir un petit peu. Oh, armor stand avec une armure en diamant dessus. Ok, petite maison de chez Miguel. On est tranquille, posé. On est très très posé. On est très bien. Alors ici, on est tranquille aussi dans une petite maison. On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus que ça. Ah ok, c'est pour lui aller miner, je pense, en fait, directement de sa maison. Ok, ok. Ok, d'accord. Donc là, en fait, ici, c'est pour farm du bambou. Non, de la canne à sucre. Petit arbre. Ok. Et là, c'est une petite... je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est une tour. C'est écrit quoi? Ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est moche. Là aussi, il y a une petite maison. Tranquille. Alors ici, quand il y a souvent des tableaux, je me méfie parce que je sais que des fois, il y a des passages secrets. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a un petit étage en dessous, là. Qu'est-ce que c'est? Oula, il y a un passage secret qui est en cours de création là. What the fuck, c'est pour aller miner. C'est sa mine pour aller miner. Il l'a caché. Il a caché tout ça. Ah, c'est stylé. Voilà. Hop. C'est vraiment une très belle maison. Là, je sais pas on est chez qui, mais c'est beau aussi, hein, cette petite maison là. Allez, on va voir chez Ori Tizo. What the fuck? What the fuck, man? Petite église, déjà très beau build. Je rappelle que les joueurs ils sont en survie, donc déjà faire ça en survie c'est incroyable. Regardez-moi ce bateau volant. Ah, ça serait trop stylé si on peut rentrer dedans. Je pense pas qu'ils ont fait l'intérieur en vrai, parce que je pense que ça serait trop de taf. C'est beau en vrai. Il est trop beau l'avion. Hein. Et ils ont fait ça en survie en plus. Bien joué les mecs. On peut pas voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Non, c'est une surprise. On n'a pas le droit de regarder. Regardez aussi ce gros bateau là, avec leur nom du land en dessous. Chez Ori. Ah, c'est trop stylé, j'adore. Ah, ils ont fait leur base à l'intérieur. Comment on peut pour rentrer?
rentrer dedans. Bah, je sais pas trop. Je sais pas trop comment on fait pour rentrer dedans. Donc, je vais devoir cheater un peu. Donc, ici, on voit qu'il y a. Ok, d'accord. Ils ont aménagé que ce côté-là, en fait. D'accord. Avec un petit mouton et une petite vache. Oh, les pauvres. Ils sont tranquilles dans la soute. Vous pensez qu'ils ont aménagé l'intérieur? Non. Ouais, c'est quand même du taf aussi, hein, de faire les détails et tout. C'est très, très long. En tout cas, très beau build. Très, très beau build. J'adore leur yes. Elle est très belle. Et donc, là, on est chez Seineura. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, tac. Oh, très joli. C'est très beau ici. Regardez, petite maison. Tranquille, pépère. Waouh. À côté de la mer, là. Même sur la mer, hein, carrément. C'est quoi là-bas? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est de ce bordel encore? Ok, c'est rien de grave. On peut dormir tranquille. Pas de problème. Là, c'est une petite maison, on dirait. Qu'est-ce que ça peut être? Une arène? Un aquarium géant? Non, une farm. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est joli en vrai. Très, très joli. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est en cours de construction, ce que je peux voir. Donc, c'est très bien parti en tout cas. Très, très bien parti. C'est la fin de la vidéo. Donc, si tu veux un épisode numéro 2, n'hésitez pas à liker si nous atteignons les 35 likes sur cette vidéo qui va être assez compliquée parce qu'on est sur un serveur survie et tout. Donc, voilà, je sais pas trop si les gens vont suivre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je veux avoir un petit retour de votre part, ça serait très sympa, très gentil. Et n'oubliez pas de participer à notre concours sur cette vidéo. Il suffit de commenter ton pseudo avec une petite phrase d'accroche. Et n'hésite pas à liker et à t'abonner sur la chaîne. Très bonne fin de journée, très bonne soirée. Bref, je sais pas où est-ce que tu en es dans ta journée. C'était Kev, bye bye.